Ousmane Diallo, Ousmane Baylo, proviseur du lycée de Gumburu. Merci. Comme prévu, aujourd'hui c'est la rentrée officielle. Donc nous, à notre niveau, les dispositions qui devraient être prises pour conférer à l'ouverture une réussite ont été faites. Et notamment la préparation des documents pédagogiques, le défrichement, l'élaboration du calendrier, de l'emploi de temps, la tenue de la réunion avec le corps professoral. À l'heure où je vous parle, tout le processus sont rentrés en possession de leur emploi de temps. Les salles de classe sont apprêtées. Et ce matin, le père d'élève qui est revenu, ils sont dans les salles de classe. Et pour le moment, parmi les procès programmés, il y a un seul qui est en situation de classe. Les autres ne sont pas venus d'abord, mais les élèves qui sont venus, le père d'élève qui est venu, ils continuent à attendre dans les salles de classe. Ici, on a 8 groupes pédagogiques. Et si il y a 8 groupes pédagogiques, c'est 8 professeurs. L'effectif total de l'établissement, c'est 700. L'effectif inscrit, c'est 780 élèves. Bon, le problème se résume d'abord. Le problème plus crucial, c'est la vétusté de nos locaux. Comme vous avez dit, le constaté, nos locaux sont vétustes. Nous solliciterions à ce que les salles de classe soient rénovées. Et une extension à la longue. Après ça, c'est au niveau de compléter le personnel, parce qu'on a un besoin, on a un manque d'un professeur de physique, d'un professeur de français. Voilà. Un professeur de géographie, un professeur de chimie. Parce que le professeur de chimie qui était là, il est nommé comme censeur au lycée Wuru.